Alors, moi, je m'appelle Doris Plus. Et moi, Olivier Dizran, je viens de Nyon. Isabelle Chance. Denise Morard. Janine Magnéna Ferguson. Patricia Bourgeois. Violette Blanche. Auberçon, Jeanne-Françoise. Vito Jean-Jacques. Je m'appelle Catherine. Je viens de Clarens, à côté de Montreux. Et c'est mon premier voyage avec Samar. Découverte. Alors, je connais pas du tout, on ne connaît pas du tout cette région. Et puis, les Qatars, j'avais des notions mais assez vagues. J'en ai appris beaucoup plus. Toulouse, Albi, Rodez, Conc, je les connaissais, mais j'ai toujours envie de les revoir avec le regard d'Olivier. Et puis voilà, j'aime apprendre. Je trouve que ça, avec ces voyages, c'est tellement riche. Nos connaissances augmentent. C'est incroyable. D'entrée, j'ai dit avant, oui, et les Qatars, je vais aller voir une fois. Avec toute la documentation qu'ils nous fournissent, toutes les explications qu'on reçoit, on rentre à la maison en sachant de quoi on cause. Ah ben ça c'est une histoire personnelle, c'est parce que quand j'avais 17 ans, mon papa m'avait emmené chercher le trésor des Templiers à Rennes-le-Château. Et on avait visité quelques châteaux cathares, Carcassonne. Et donc j'avais toujours rêvé de retourner sur les traces du voyage avec mon papa. Déjà c'est une région que je ne connaissais pas du tout, je ne suis jamais venue dans le sud-ouest de la France. Donc ça m'a... Et puis comme c'était présenté, j'avais envie de découvrir cette région, cette culture Qatar. Moi, ce n'est pas le thème des Qatars qui m'a attirée, mais j'ai suivi un cours sur les églises romanes. Évidemment, on a parlé de Moissac. Donc voilà, j'ai profité. Et je suis très contente d'avoir choisi ce voyage. Ok, donc 4 personnes qui ne montent pas comme ça pour moi. Alors, je vous laisse profiter des magnifiques paysages là, mais je vous dirai quand on apercevra Caribus et puis Perpertus. Mais il nous reste encore une heure, hein, mon bonheur. Non, c'est mon troisième. Non. Moi, c'est la quatrième fois. Non, c'est le 8 ou 9e. Le premier, c'était il y a 10 ans. Non, c'est le 3e. Non, c'est le 4e. J'en suis au 23e. J'ai décidé que, comme j'ai beaucoup voyagé, qu'il y a eu une période où je ne pouvais plus le faire. Et quand je me suis sentie mieux, que je voulais profiter de mon temps parce que je ne dois rien à personne et me faire plaisir. Alors, les voyages sans barre, c'est exactement ce qu'il faut, qu'il me convient. Pas trop long, riche, sur tous les plans. Ah, moi, j'ai fait Norvège, toute seule, Saint-Olivier, et puis après, ensemble, les quatre, on a fait Malte, la Côte d'Azur l'année passée. Alors, il y a eu le Tessin, le Valais, l'Oberland bernois. Le Jura, les vitraux du Jura. Moi, j'ai fait en 2019 la retraite à Chartres, qui était magnifique, vraiment très intéressant. Alors, le premier, c'était finalement au mois de septembre 2020. On a été au Grisan, 4 jours, les fresques dans les églises, sympa. Demi-tour, ça s'appelle comme ça. Et ces tours sont également percées d'archères. Pourquoi ? Pour défendre le sentier que nous avons nous-mêmes tous emprunté. Ah ben, je trouve que c'est un voyage qui évolue bien. Disons, les gens ont vont les uns vers les autres, ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est presque toujours le cas. Grâce, je pense toujours à Olivier,
qui sait s'occuper, qui est très accueillant, qui sait, qui va vers chacun, il s'occupe de chacun, il s'intéresse à chacun. Et puis, peu à peu, ça pousse les gens à aller les uns vers les autres. Et à la fin de la semaine, en général, tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde, chacun va vers chacun. Et je trouve assez remarquable. J'ai retrouvé 25 personnes agréables à côtoyer. La bienveillance, que ce soit dans le car, à l'hôtel, dans l'ascenseur, quelque chose qui est cultivé. Toujours des voyages très agréables parce qu'on sait qu'on retrouve toujours des gens qu'on connaît. Et ouais, cette bienveillance, elle est bien marquée. Alors, richesse, c'est sûr. Apprentissage, découverte, et je rajoute un quatrième, partage. Culture, bienveillance, spiritualité. Aussi. La convivialité et puis l'organisation qui est vraiment intéressante. Voyage, culture, plaisir. Ouais, découverte, enfin moi ça marche, ça m'a amené vraiment de... Ouais. Familial, excellente organisation et enthousiasme. Convivial, instructif et bonheur. Trois mots. Découverte, convivialité. Il y a quand même quelque chose de l'intériorité. Il y a quelque chose de justement de cette profondeur. Bon, moi, je ne suis pas religion niet. D'ailleurs, je l'ai dit, c'était une de mes interrogations au début quand on a parlé de Samar. J'ai dit, où c'est un pasteur? Puis après, on m'a dit, non, il n'est pas trop pasteur. Alors ça m'allait bien. Parce que la spiritualité, oui, mais je n'avais pas envie de tomber dans quelque chose de trop justement religieux. Alors, il y a quand même ce côté intériorité qui transparaît chez les gens, qui transparaît d'une façon assez générale. Ouais, ouais, quelque chose d'assez puissant quant au sens. C'est un voyage qui enrichit sur tous les plans, tant le plan connaissance intellectuelle que le plan connaissance de l'autre. La richesse du contenu du voyage, parce que avoir dans le car des conférences tous les jours, avoir des fiches, recevoir des fiches qui complètent ces conférences et vous pouvez consulter pour un voyage au moins une septantaine de fiches. Je trouve ça, c'est remarquable. Et j'ai trouvé nulle part ça ailleurs. Et puis, justement, la convivialité dans le groupe, les gens vont les uns vers les autres. Mais tout ça, c'est grâce à Olivier. Pour ça, moi, je me réjouis d'un voyage à l'autre. Je trouve que c'est le voyage idéal. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi l'aspect culturel. Parce que Olivier Calame, il sait énormément de choses. C'est un grand érudit. Et puis, du coup, moi, j'ai appris plein de choses simples. Il nous donne un dossier qu'on peut repotasser à la maison. C'est riche. Alors, il y a la bienveillance, il y a les contacts, il y a tout ça, mais il y a aussi quelque chose de culturel. Et il y a même ma voisine qui me dit, chaque fois que tu rentres, tu as l'air heureuse. Mais c'est vrai. Et après, chez moi, je reprends tout ça. Et je refais mon voyage. Alors pour moi, je dois dire que la qualité des guides est toujours très bonne. Les explications dans le car, donc je trouve qu'on est extrêmement bien documenté
sur tout ce qu'on voit. Et c'est ça, c'est une richesse. Non, l'ambiance est toujours très familiale, très chaleureuse. Enfin, je trouve que ça fait partie de ce que j'ai écrit. Mais la richesse, autant culturelle que humaine, on rencontre des gens très différents dans le bus, ou à table, et je trouve que c'est toujours très sympa, en fait. Il y a la bienveillance d'Olivier Calame. Enfin, je trouve que c'est formidable, son attitude, son... comme il est avec nous, enfin, c'est assez familial. Moi, j'aime cette ambiance, comme si on était tous des cousins éloignés qui se retrouvions à une fête de famille. J'ai ce sentiment-là, vraiment. Et ça me plaît énormément. Comme à chaque repas, on mange avec d'autres personnes, ça fait qu'on rencontre d'autres personnes. Et ce que je trouve très chouette, ce qui me touche et ce qui me plaît, c'est que c'est tout de suite des conversations assez riches et assez intimes, je dirais. Pour moi, c'est l'ouverture. Les gens sont très... conviviaux, on parle facilement, bon, on se connaît déjà un peu d'avant, mais il y a quand même une communauté, c'est quand même des gens qui ont vécu, on a des thèmes très intéressants à table, donc je trouve que c'est vraiment que du positif. Ouais, de très beaux échanges. Pour moi, en tout cas, c'est spécial, parce que ça, c'est comme une famille. Voilà. Et puis on a une bonne entente avec tous les gens, puis on se connaît presque tous, ça va super bien. C'est ce lien particulier entre les gens. Il y a beaucoup d'agences de voyage qui sont très bien organisées, mais avec Samar, il y a quand même quelque chose en plus. Alors, si vous cherchez un voyage qui vous apporte quelque chose en plus, choisissez Samar. Ouais. Et puis l'excellence de l'organisation. Autant il y a de la bienveillance, autant c'est pas mou, c'est structuré, il y a des horaires à respecter, puis c'est très riche. On visite des choses différentes, enfin, voilà. La documentation qu'on reçoit tous les jours, la petite pensée du matin qui donne lieu à une rencontre pour ceux qui veulent d'un quart d'heure, 20 minutes avant le repas du soir. J'ai fait plusieurs voyages depuis que je suis à la retraite, depuis 4 ans, bientôt 5 ans, plusieurs voyages avec des organismes différents. Et là, je trouve qu'il y a en tout cas une organisation impeccable. Alors d'abord, il y a le lieu qui m'inspire, bien sûr. J'avais envie de venir dans ce pays Qatar, le pays des Qatars. Et puis, l'organisation avec ce grand car confortable, avec des gens bien sympathiques. Voilà, je trouve que ça me convient tout à fait. Et comme j'ai dit déjà, c'est mon premier voyage, mais certainement pas le dernier avec Samar.